Ok, salut team, comment vous allez? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait tutoriel de... Ça fait longtemps. En tout cas, on revient, on revient. Je suis toujours là. On revient avec les tutos. On a mis les beats, maintenant on a mis les prods, on a mis les instruments. Maintenant, on va ramper dans le tutoriel. Cette fois-ci, c'est une prod un peu dombo, coupé, décalé. Il manque la basse, elle n'est pas finie. Dès que je vais essayer de la finir, c'est que je suis petit 90% de la composition et des arrangements. Dès que je vais décider de vous présenter, de vous montrer le tutoriel, comment j'ai composé. Et puis, d'ici peu, la prod sera en ligne. Vous pouvez faire vos enjaillements. Et les DJ là, vous pouvez faire les attaques à la cour. Et les danseurs là, vous pouvez vous enjailler, vous faites des petites vidéos quoi. Ok, c'est parti. Je vous fais d'abord kiffer l'instrument, le beat, la prod, et puis on entre dans les détails. C'est parti. J'ai mis aucun effet sur les guitares, elles sont encore très sèches. Donc, yeah. Comme on dit au Cameroun, il y a un mot comme ça là, eh? Aimé comme ça là. Imaginez un peu comment on va ajouter la basse et que je vais finir. Ok les gars, maintenant vous avez écouté la prod, on va entrer un peu en détail. Ce que je vous présente dans ce tutoriel, vous savez que chaque tutoriel a un fond. Il faut que je présente particulièrement, c'est un fond en fait, donc c'est une idée. Je dois montrer l'idée, ce que je vais vous faire présenter, je dois vous expliquer ça. En fait, ce que je veux faire, c'est que je veux plus m'attarder au niveau des arrangements, les arrangements et la structuration. Parce que vous voyez, c'est une seule, mais c'est le mollo coupé, décalé, enjaillement là, dans une seule ligne d'accord. Je veux montrer quand même la ligne d'accord.
Mon guitariste, comme d'habitude, c'est Frankie Guitar. Le bassiste n'a pas encore joué la basse. Ben, j'aime mes instrumentistes. Il n'a pas encore joué la basse. Dès qu'il va finir la basse, il fait les arrangements et puis des petits un mixage. Et puis je vais mettre la prod en ligne. Mais j'ai décidé d'abord de partager avec vous ce qui a déjà été fait. Et puis bon, on va travailler plus sur les arrangements. Sur les arrangements dans le tutoriel ici. Regardez bien les arrangements bien, ça vient même. Il commence par la rythmique. Écoutez la rythmique. Commence par un jeu, le choix des instruments. Comment on va passer ça? Le choix des instruments. J'ai pris une grosse caisse qui est un peu coupée, décalée en même temps qui est un peu live. Je peux dire live, mais les effets qui sont là, c'est un peu coupé, décalé, live quoi. Vous voyez un peu la lourdeur. Même comme on n'a pas encore été mixé, je te fais un pré-mix. J'ai pas mis grand chose là. J'ai seulement gonflé parce que j'ai un peu coupé là. Parce que voilà comment elle sonne. Ça c'est coupé, décalé. Maintenant, moi j'ai voulu ressortir la basse. J'ai un peu augmenté l'effet de profondeur là. Mais elle n'est pas encore totalement, mais c'est parce qu'il faut encore que je fasse. Je mette un compresseur avant de mettre le limiteur. Mais là, à chacun sa technique de mixage, mastering. Là-bas, ce n'est pas ça que je veux. Et si j'ai beaucoup de questions qui me reviennent, comment faire mix, mastering, ne vous inquiétez pas. C'est noté. Je vais vous faire des tutoriels spécialement dédiés à ça. Mais pour le moment là, moi je suis d'abord focus sur mes tutoriels, c'est sur la composition. Pour les mix mastering, ne vous inquiétez pas, il y en aura à gogo. À gogo. Juste que chaque chose a son temps. On ne peut pas mélanger, je ne peux pas faire un jour, je présente l'instrument, comment monter un instrumental, et puis l'autre jour, je vous présente comment faire un mix, ça va rebrouiller, vous voyez. Il doit y avoir, c'est une base bien assise au niveau des tutoriels, puis maintenant on entre dans le mixage, pour ne pas être pressé. Voilà. Donc, comme j'ai dit, j'ai pris une caisse claire, une grosse caisse, et puis la caisse claire que j'ai choisie. Vous voyez, un peu compliqué, décalé, façon. Bon, là, il y a un petit problème parce qu'il y a une caisse qui sonne à droite, et là, c'est un gros problème. Ça, c'est un gros problème, impossible. La caisse claire doit être au centre. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je la mette au centre. Je vais ajouter un... un très bon VST de FL Studio qui permet de recentrer les instruments. Le Fruity Balance. Voilà. Voilà. Tout le juste équilibre. Voilà. Là, elle est au centre. Voilà la différence. La caisse claire doit toujours être au centre. Ok, là c'est un petit détail. J'ai fait ça exprès de la composition. Je ne sais pas si vous avez pu ressentir, mais lors du mix, c'est archi fou. Archi fou. La caisse claire est au centre. La grosse caisse est au centre. La basse et les instruments qui doivent être au centre. Caisse claire, grosse caisse, ma grosse caisse, caisse claire, basse et la voix. On peut maintenant panner les pianos, les vents et tout, les guitares et consoles. Vous pouvez les panner. Mais voilà les instruments qui doivent toujours être au centre. Mais c'est pas ça l'objet de notre tutoriel. On a dit arrangement. On ne peut pas y aller trop loin. J'ai mis une grosse caisse. Voilà comment j'ai joué dans ma caisse claire assez basique. Ceux qui écoutent mes tutos depuis, j'en ai déjà parlé, j'en reparle toujours. Ma technique pour les rythmiques coupées décalées, c'est le 3-2-1. C'est-à-dire quoi? Comme j'ai dit 3, je reviens encore dessus. Je ne veux même plus revenir sur ça. Je clique juste sur le lien qui est en haut là et ça va te diriger vers ma technique que j'utilise pour faire ma rythmique coupée décalée. C'est cette rythmique-là que j'ai utilisé. La différence, c'est que j'ai changé le sample. Il va le premier sample que j'ai joué. Je joue un peu avec la vélocité. Parce que c'est un peu live, quoi. Donc, on a pas, la caisse qui n'a pas être droite. Donc, on a senti. Lorsque le batteur tape, là, il y a les différences de volume entre le premier coup de batte, le deuxième coup de batte, différence de volume. Là, c'est ça qu'on appelle la vélocité. C'est ça qui est là. Premier coup de batte est moins fort. Un peu plus fort, un peu plus fort, moins fort, un peu plus fort, un peu plus fort et légèrement moins. Petit voilà là. C'est le même jeu que copier et je colle ici là. Mais je ne roule plus. Maintenant je mets les deux mélangés. Assez simple. Maintenant on évolue. On évolue. Les roulades ici ne sont pas brutaux. Un roulade, une roulade. Moi, je dis brutaux.
Ça doit pas être agressif, quoi. Donc, ça veut dire quoi? Ça doit être un peu live, posé, bien audible. On n'a pas besoin de prendre quatre samples mélangés, de prendre quatre samples des caisses claires avec des sonorités différentes. Non. On est dans une conception et une logique que c'est du dombolo, c'est du copié-décalé. Et ça, on est un peu dans la logique un peu du live. Et lorsqu'on joue en live, c'est une seule caisse claire que le batteur utilise du début à la fin. Donc, on va rester dans la logique d'effet de roulement avec une seule caisse claire, une caisse claire, des Charleston, des crash et des toms, comme une batterie réelle. Voilà. Donc, c'est pas comme le virtuel qu'on a tendance à prendre un sample de caisse claire, un autre sample de caisse claire pour une autre sonorité, un autre sample de caisse claire pour une autre sonorité. Non, nous ne sommes pas dans ce cas. Nous sommes dans le cadre d'une logique un peu live où on doit rester dans un cadre assez live. Donc, une rythmique doit être aussi assez live sur l'instrument. Les roulades doivent être assez live. Donc, voilà le premier du roulade. Voilà. Voilà, ça c'est là. Ça c'est un chalet. Vous voyez? Moi, je vous montre le comment j'ai joué le tuto va là 25 minutes et je vous rappelle déjà 25 minutes. Comment j'ai joué le synthé? C'est programmé, j'ai une fois joué sur mon clavier MIDI une fois. Donc. C'est jovial quoi, voilà, à mélodie, voilà. Maintenant la mélodie et puis maintenant quand on a la mélodie, it's burst on the track. Et c'est le dombolo en même temps coupé décalé, il doit toujours avoir des brasses. C'est les brasses qui marquent des pauses, qui marquent des arrêts, qui marquent des cadences, des changements de cadences. Un changement de cadence peut venir d'une batterie, d'un brass, d'une basse ou d'une guitare ou d'un synthé. Vous voyez, donc il doit toujours avoir cette cadence. Quand on est dans la mouvance dombolo coupé décalé, regardez ce qui a été créé ici là. Le bassiste lorsqu'il va jouer, il va suivre le même jeu. Donc c'est une petite transition. Bam, bam, bam. La transition, c'est très 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 important, la transition lorsque on est dans une rythmique assez dombolo coupé décalé un peu live quoi. Voilà, et puis on évolue la rythmique, simplement j'ajoute à ça un crash. Lorsque le batteur tape pour avoir une rythmique assez ouverte, il ajoute un peu de chalet. Voilà. It's burst on the track. Je vais ouvrir les parties qui sont un peu plus délicates, plus compliquées. Ici, là, c'est le tome. Même pour augmenter le volume. Voilà. Voilà. On a déjà une guitare principale, il faut bien qu'on change la rythmique pour ne pas qu'elle soit répétitive. Il faut ajouter une guitare. Je vous ai montré dans un de mes tutos, sur la page, dans ma toute première page, Barrez Beat, comment je mixe mes guitares dombolo. Là, je vais plus revenir dessus. Mais là, il n'a pas encore mixé, mais le mix que je vais appliquer là ne sera pas très différent de ma façon de mixer mes guitares. Juste que je vais ajouter une autre petite sauce, un autre petit piment pour rendre ça vraiment moelleuse, quoi.
tom. Le tom tape après la grosse caisse entre. Moi, je suis dans mon 3-2-1. C'est toi qui as suivi mon tutoriel sur comment faire des roulades coupées décalées. Si tu n'as pas suivi, va écouter et puis je reviens. Tu vas facilement comprendre comment j'ai fait mes roulades. Voilà, je ne vais pas m'encadrer dans les roulades, je vais plutôt m'encadrer dans les arrangements. On travaille plutôt sur les arrangements. Ajoute une vélocité pour rendre ça un peu plus animé. Parce qu'au départ, regardez comment la caisse qu'il joue. Simplement, dans le coup de baguette, tape sur la caisse qu'il est. Tous les 1. Tac, tac, tac. Sans jeu de vélocité. Assez simple. Maintenant, pour avoir une rythmique plus ambiante, j'ajoute maintenant comment le batteur, il roule en même temps, il tape la caisse qu'il est. Ça doit, il vous fait rouler ça. On rentre un peu dans la rythmique maintenant, un peu coupé, décalé. Regardez bien comment ça va jouer, ça joue. On a des rythmiques assez coupées, décalées. Oh, ici là, c'est... regardez comment ici la joue. Voilà la différence quoi. Donc ici, j'ai dit que je casse la cadence. J'annonce ça avec un roulement. Je peux aussi annoncer ça avec une guitare ou un brass. Moi, je veux annoncer ça avec un roulement parce qu'un roulement, c'est plus vif. Regardez comment je joue ma roulade. Regardez comment je joue avec mon chalet. La roulade n'est pas uniquement la caisse claire et la grosse caisse. Non, ce n'est pas le fait de mélanger les samples, de mettre ses mains. Il y a le chalet qui joue un très grand rôle dans la caisse qui dans la roulade. Regardez comment ça. Je marque des petits arrêts, des petites pouces avec mon chalet. Vous voyez? Maintenant, j'ai fini ça avec un crash. Voilà la petite pause qui a été faite là. Voilà. Cette petite pause là, j'ai vu, c'est pour en fait. C'est pour en fait la petite pause qui a été jouée. La petite pause qui était, c'est pour, j'ai joué ça, j'ai pour avoir une rythmique assez peu cadencée, puisque la rythmique était principalement cette partie, c'était la guitare. Maintenant, comme la guitare est finie, maintenant la guitare, la rythmique là, elle est finie, on revient à la guitare principale. Faut pas que ma rythmique soit plate. Je vais pas ajouter un synthé, je vais pas ajouter un brass, mais moi, je choisis de rendre ça un peu plus mouvementé avec la batterie. Vous voyez? Les roulements que j'ai fait avec ma batterie, regardez les roulements que j'ai fait à la batterie, ça rend plus ambiant. Je ne vais pas entrer dans les détails de comment faire les roulades, j'en ai déjà tellement parlé. Donc vous écoutez un peu les roulements et les différences. Et quand est-ce que mes guitares entrent? Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas le fait de saturer, mettre les mélodies partout. Non, c'est le fait de savoir quand les mettre. Et honnêtement, je vais vous dire que l'oreille parle aussi beaucoup. Hein. Ce n'est pas parce que j'applique ça exactement que ça veut dire. Ça va toujours marcher comme ça. C'est pas toujours, comment dire, comme vous voyez dans mes tutoriels que vous allez vouloir faire exactement. Laissez aussi parler votre esprit. Laissez parler votre oreille. Laissez parler ce qui passe dans votre tête. Maintenant, quand vous essayez de voir, maintenant, ça peut vous éclaircir au niveau de comment les mettre, en fait, et quand les mettre. Tu peux avoir une idée, une inspiration, peut-être à une minute, de pouvoir jouer une mélodie ou deux mélodies. Maintenant, le plus difficile, c'est quand les mettre, savoir quand les mettre, quel instrument choisir, même parce que c'est pas... Il faut prendre du temps pour choisir des bons instruments. Ouais, ici, il n'y a pas trop laissé. Un seul synthé, c'est la guitare, et c'est la guitare qui s'exprime avec la basse, quand la basse va s'ajouter, et la batterie.
la basse va s'ajouter, c'est ça la basse dans la guitare qui pousse. Et là, et si vous écoutez bien, au départ, je n'ai pas joué des percussions. Tout le long de l'instrumental, je n'ai pas joué des percussions. Bah, c'est où les percussions entrent. En fait, c'est parce que dans ma composition et dans mes compositions, vous savez, constaté généralement, ça suit une évolution. Moi, c'est ma façon de composer à moi. Chaque arrangeur, chaque beatmaker a sa logique. Ça suit une évolution. Ça commence de plus en, ça commence du plus bas au plus, du plus petit au plus grand. Ça commence un peu mouvementé, mais un peu posé. Un peu posé. Plus la prod évolue, plus ça devient plus cadencé. Plus ça devient plus cadencé, plus ça devient plus cadencé jusqu'à la fin. Vous voyez au départ, si vous écoutez au départ, elle est assez cadencée, mouvementée, mais assez plate un peu. Quand je dis plate au niveau de la rythmique, la cadence, elle est assez plate. Mais vers, il y a pas, ou la partie que la, dès que la guitare commence, je fais ajouter les jeux de percussion et je joue beaucoup avec la rythmique. C'est pour rendre l'instrumental plus vivant. Parce que vous ne devez pas faire une prod de telle façon que du début à la fin, elle est plate. Non, on n'a pas être plate. Vous devez créer une partie ambiante. Là, ça dépend de vous. Vous pouvez peut-être décider que, bon, peut-être de l'intro au premier couplet, elle est peut-être assez molle. Dans une partie après le premier couplet, après le couplet, le refrain et une partie, vous faites ça plus vivante et puis vous venez en mélancolie, quoi, ou un truc plus molle. Là, ça a vous le choix. Mais moi, j'aime plus la logique où je commence de façon. Léger et j'évolue au fur et à mesure. Ça devient plus cadencé au fur et à mesure. Ça fait lever la tension. Donc on écoute de façon. Moi, après, ça fait lever la tension. C'est ce que moi j'aime. Et cette partie, j'ai matérialisé ça avec, comme j'ai dit, l'ajout des percussions, de cette percussion qui n'a pas été jouée dès le départ. Il n'a pas été joué si vous avez prêté attention. C'est là qu'il entre. Et là, il entre avec la guitare. Et à partir de là, vous allez écouter la rythmique et la batterie va beaucoup bien jouer. Et lorsque la basse va s'ajouter, la basse sera aussi mouvementée. Donc, je vous laisse écouter. La rythmique qui s'échange, j'entre dans le Cben. Ce n'est plus tac 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 tac, c'est maintenant tac 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 tac. Vous voyez? En fait, c'est pour casser la cadence. C'est pour casser la cadence, regardez. Donc, tellement on est dans un mouvement, parce qu'on ne s'aperçoit même pas que la cadence a changé. C'est, en fait, c'est ça. Vous devez amener l'auditeur à ce qu'il ne se rende pas compte des effets, des choses que vous ajoutez. Il ne doit pas se rendre compte de ça. Mais ça doit le faire bouger. C'est plus tard, peut-être, à force de beaucoup écouter, à force de prêter l'oreille, qui se dit que, attention, ici, là, j'ai un truc, hein, là, fais ça comment et tout et tout. Donc, vous devez le mettre dans une rythmique, dans une mouvance où il ne se rend pas compte de l'évolution et du changement. En fait, c'est ça les arrangements, c'est ça l'arrangement. Les beatmakers, lui, honnêtement, il y a une différence entre les beatmakers et l'arrangeur. Le beatmaker, il peut composer uniquement sur la pattern et puis il donne l'état d'esprit de l'instrumental. Il donne l'état d'esprit de jouer une rythmique, une mélodie, trois, quatre mélodies là. Il donne l'état d'esprit de jouer une composition, une structure assez simple, intro, couplet, refrain. Maintenant, toi, l'arrangeur qui vient t'asseoir là, tu es d'abord un beatmaker. En Europe, en Amérique plus précisément, il y a les beatmakers, pas les arrangeurs, pas. Mais en Afrique, ici, vous êtes appelé à faire tout. Beatmaker, soit le beatmaker, soit l'arrangeur. En fait, on dit une fois que tu es arrangeur. Donc, seulement tu composes la prod et tu fais les arrangements. Donc, tu fais les arrangements, c'est quoi? Les arrangements, c'est que par moment, tu sais qu'ici, là, non. Il faut que tu ajoutes un petit truc pour changer la cadence. Il faut qu'ici, tu ajoutes un petit instrument pour avoir une certaine couleur. Il faut qu'ici, tu mettes tel effet sur tel instrument pour avoir une certaine couleur. Et le but de faire les arrangements, ce n'est pas de gâter tout l'instrumental. Non, c'est juste les petites parties délicates, là. C'est ça qui fait la différence. Voilà. Donc, on revient sur notre prod. Je reviens encore sur la rythmique pour que vous essayiez de voir le changement de cadence. Et il la joue jusqu'à la fin parce que les bras vont entrer, ça va devenir plus animé. Écoutez la rythmique, la roulade avec la caisse claire.
RAM, elle est ici hyper saturée. Ils savent le laptop. Ce n'est pas le desktop qui travaille aujourd'hui, donc. Je vais souffrir un peu d'écouter les petits crashs là. Vous voyez, il y a un synthé qui s'est ajouté. Si vous prêtez attention, dès que la roulade est finie, le brass entre, le jeu de guitare change, la rythmique devient encore plus cadencée et le synthé, un synthé ajouté qui a joué façon coupé-décalé. Ça, c'est le coupé-décalé. Mais avec la rythmique congolaise, ça crée une autre mouvance, un mélange. Voilà. Les petits cons rétents que vous écoutez là, c'est très important dans le live. Parce qu'on a tendance à vouloir toujours mettre les données de façon droite. Ne confondez pas composition musicale et l'ordinateur. L'ordinateur, c'est une, ça sera toujours droit. Mais lorsque vous composez, ça ne peut pas être toujours droit. Il y aura toujours ce petit retard-là. Et ce petit retard-là, c'est important. Et lorsque vous écoutez de la prod, vous ne la ressentez pas ce retard-là. Pourquoi? Parce que d'autres instruments couvrent cela. Parce que lorsque tu joues une note peut-être en retard par rapport à l'autre note sur le temps, celle une peut-être que je prends peut-être un synthé, tu joues peut-être un jeu de mélodie qui est peut-être en retard par rapport au temps. La guitare qui est peut-être jouée en arrière-plan va peut venir rattraper ça. Et du coup, ce mélange des deux-là, tu vas pas faire en sorte que tu ne vas pas écouter vraiment le petit concrétant qui est là. Ça peut être écouté de façon subtile, ça peut aussi être écouté, mais c'est ça qui représente en fait le live, la composition musicale. Donc, dans vos compositions, faites l'effort, si c'est un peu les compositions qui sont un peu plus africaine, un peu plus composition africaine. Oh, je mets, quand j'ai dit composition africaine, je ne classe pas le rap, je ne classe pas la trap, parce qu'on connaît que là-bas, ça doit être droit. Je classe un peu les musiques comme l'afrobeat, certains afro-trap, le coupé décalé, l'afro-décalé, pas mal de rythmiques africaines que vous connaissez. On doit avoir un petit retard. Ce petit retard-là marque dans l'afrobeat même. Et on utilise parfois le swing pour créer ces retards-là. On compose de façon droite. Mais lorsqu'on utilise le swing, si ça crée un petit jeu réel, quoi. Voilà. Donc, le tutoriel est fini. Il est fini. Je vous ai présenté, j'ai parlé un peu de façon brève comment j'ai composé l'arrangement, comment j'ai composé l'instrumental. J'espère que vous avez capté quelque chose, ça vous a permis de capter quelque chose, j'espère que vous avez compris quelque chose. Si vous n'avez pas compris quelque chose, les commentaires sont là. Si vous avez les suggestions de tutoriel, les commentaires sont là, remplissez, je vais noter et puis on va en parler ensemble et puis on va en discuter. Bon, ok, c'était Baris B. À plus pour un prochain tutoriel ou bien pour une prochaine prod. C'est tellement la prod, donc je ne sais pas encore. Ok les gars, on est ensemble, il y a feuille.